Coucou. Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers abonnés? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une demande que j'ai eue dans mes commentaires au chanteur philippin qui se nomme Darren Espont. Et on m'a demandé... Esponto, excusez-moi, je sais pas comment on le prononce. On m'a demandé si je pouvais réagir à une de ses performances, on dirait lors d'un concert ou une comédie musicale, je ne sais pas, sur le titre Phantom of the Opera. Et c'est parti, je vais découvrir si maintenant. Opera, la meuf qui sait pas parler français. Et il y a la pub, ouais! Ouh, ça a l'air dramatique. Alors j'avais déjà entendu une de ses performances et un duo avec Morissette, mais je savais pas qu'il avait ce genre de voix également. Il a deux tonalités de voix, c'est très appréciable à l'oreille. Hein. Comment il peut... Oh. Waouh! Alors, j'avais déjà vu, comme je disais, un duo avec Morissette et une prestation sur Wishbus. Mais franchement, je ne savais pas qu'il savait faire des tonalités différentes comme ça avec sa voix. J'ai été tout long, mais en mode... Quoi? C'est quoi ce bis? Non, franchement, j'ai passé un bon moment. Vraiment, on voit qu'il était imprégné par ce rôle de fantôme de l'opéra. Enfin, c'était vraiment une magnifique performance. J'ai beaucoup aimé également le décor, cette fumée, tout ce orange qui faisait vraiment ce côté un peu vraiment mystérieux, mais diabolique à la fois. Et sa voix dessus, juste sublime. Même le public a été subjugué. Tout comme moi. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez Darren. Est-ce que vous avez également apprécié sa performance sur ce titre et ma réaction. Moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout prenez soin de vous, c'est ce qui est le plus important. Au revoir, bye bye, sayonara.